En tout cas, bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous retrouver et de pouvoir passer d'excellents moments en votre compagnie. On vous promet une émission superbe pour pouvoir partir en week-end. Et comme toujours, il y aura fou rire, information, chant, danse. Comment on dit quand on fait de voix et puis on fait ses corrections? Oui. Correction et tout ce qu'il faut avec en tout cas, et on espère que vous êtes déjà fin prêt à pouvoir vous lancer dans la belle aventure de Nectar pour ce vendredi 16 avril. Nous sommes toujours dans le mois d'avril et c'est toujours le mois d'anniversaire de mon chou pompon. Avant cela, bonjour José. Bonjour maman. Ça va? Oui, ça va. Ça va très bien? Oui. D'accord, je tiens à préciser, hein, vous le savez, on aime bien jouer, comment on le dit, un peu de comédie sur le plateau, histoire de pouvoir vous permettre de rigoler. Donc, lorsqu'on a parfois des réactions, il faut le voir au second degré et comprendre que nous le faisons juste parce que, bon, on a envie de faire du fun et on a envie de rire. Alors, aujourd'hui, avec ma chère Josée, tu vas dire bonjour et tu vas remettre les choses totalement à leur place pour pouvoir nous rappeler la question que tu n'as pas voulu, à laquelle tu n'as pas voulu répondre. Tu es devenu comme Elias. C'est-à-dire que tu as préféré laisser ça, comment il dit déjà? À mes frères et sœurs. À tes frères et sœurs. Alors bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est vendredi, comme maman l'a dit ce matin, plein de choses pour vous. Donc restez juste avec nous. Par rapport à hier, en fait, je voulais que Elias et Naïda répondent, mais bon, ce matin je vais répondre. L'attentat de Sarakawa, c'est bien sûr le 24 janvier. 1974, voilà. Exactement. Donc maintenant, calcul de maths, 74-2021. Elle écrit quoi? Crise cardiaque. Oh, écoute, ta mère est... Non, si je septuagénaire, là, c'est moins de... C'est plus que 74. 70 ans. 2021, ça veut dire que je suis née en 1950. Non, 1941. C'est ça? Non, c'est dans les 50. Ceux qui sont nés en 60 aujourd'hui, ils ont quasiment 60 ans. C'est ça? Hein? Ceux qui sont nés en 61, 60 ans, donc c'est dans les années 50. Hein. Oui, mais non, c'est-à-dire que si je suis née en 1940, 41, ça fait 1, et puis ça fait 7 plus 4, ça fait exact. Non, c'est ça. Tu es bonne, mon bébé. Donc, je suis née en 1951. Hey, maman, on vient de l'apprendre. Tu viens de l'apprendre? Oh, maman même vient de l'apprendre. Oui. Alors, je suis née en 1951. Une femme des années 50. Eh oui. Et c'est mon époque de rêve. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si vraiment j'avais eu un choix à faire, j'aurais soit dans les années-lumière, ou alors vraiment 1900. Parce que ça, c'est vraiment moi, une année... Je crois que c'est à partir des années 80 que ça devenait intéressant. Non, ce n'est pas vrai. 80, tout ça là, c'est... Qu'est-ce que vous connaissez? Hein? Le disco, le disco, l'afro, tu vois le disco avec les patins là sur la piste, mm-hmm. C'est l'époque du disco en fait, tu vois, 70, allons à... Voilà, les pantalons pas de les avis sont les partagés, vestes. Hein. Malheureusement, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais pour une certaine génération, comme moi par exemple... Et pour les férus de la bonne musique, comme mon fils ici présent, ça a été un gros choc le week-end dernier d'apprendre le départ de DMX quand même. Hein? DMX oui. Qui a chanté... Il connaît pas le... Oui. Il a la mélodie.
Il ne connaît pas le... Bon, il a quand même donné la mélodie. Je ne vous suis pas. Tu connais au moins le rappeur DMX? DMX? Oui. On est Dogga? Mon Dieu. On est Dogga? Tu ne connais pas DMX? Alors... Non, mais DMX? Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est que les réactions qui étaient là, qui venaient, les gens disaient, mais c'était la belle époque, quoi, l'époque de DMX, de Ja Rule, de là où il y avait 80, la bonne 90, musique. Hein? Non, hein, c'était début 2000. Début 2000? Oui, c'était début 2000. Oui, c'était début 2000. Donc, c'est Tupac qui était 90? Oui, Tupac qui était 90. Et Notorious B.I.G. Notorious B.I.G., voilà. Snoop Dogg aussi était là depuis. Oui, Snoop Dogg, il a traversé le temps. Il a traversé le temps. Donc, du coup... les avis sont mitigés en fait, hein, voilà. Pour nous, on revient ici, ça, tu vas, tu vas entendre des gens qui vont te dire, oh, maintenant il n'y a plus bonne musique. À l'époque de Franco. Bon. Et nous, moi, je dis à l'époque de Fifi Rafiatou. Du coup, qui peut me chanter une chanson de Fifi Rafiatou? Oui. Moi. Sandra, tu dois chanter. Tu les paroles, je ne garantis rien. Sandra, avec Afiano. Et la partie où ça rappe. Vas-y. Ben voilà, on vous l'a dit, hein, chers amis, c'est vendredi. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent, dites-nous, vous, quelle est la meilleure période pour vous, hein? Voilà, il y avait des périodes. Moi, je me souviens encore de quand la France a eu la Coupe du Monde. Il y avait cette chanson. Il était, voilà, c'était. Non, il y a Adjama Foyer. Avec MC. Le début du rap. Ah ouais, c'était en 2003. En 2003. Après, il y a Soukou Louvi. Oui, ça, par contre, Soukou Louvi, je connais. Un jeune comme ça va te donner quoi? Oh là là! Alors, et Chess Prisa? Oui, Chess Prisa. Eh ben voilà. Il y en a plein comme ça. Alors, oui. Il y a des époques qui sont venues et puis ensuite il y a eu l'époque du groupe des Seeds où franchement, voilà. Donc, oui, ils étaient... donc, on comprendra que... Voilà, mais moi, mon année quand même est la meilleure. Je suis née en 1951. Ça arrive, maman, ça arrive. Ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Non, c'est pas Isabelle. Je t'aime tellement que je te tape avec un bonbon. Ah bon? Maman. Tiens, mon fils. Ah non, tu as oublié, tu t'es moqué de moi. Maman! David, on dit bonjour. Bonjour, le plateau. Comment vous allez? Ça va, nous allons bien. Ça va, c'est vendredi. Nous sommes là, toutes joyeuses, de vous donner la joie, surtout quand c'est vendredi. Et je profite pour faire un coucou spécial à tous les Béninois, surtout... J'ai dit tous les Béninois, tout simplement, surtout Madame Françoise qui nous suit. Ah oui. Et elle nous a fait un petit coup de cœur hier, qu'elle aime tout le monde. Et quand elle voit Nectar, elle se sent toujours au Togo. Donc j'aimerais vraiment lui faire un coucou, qu'on prend son message en compte et puis bisous à elle. Exactement. Et d'ailleurs, pour tous les Togolais qui nous suivent, hein, la diaspora togolaise, Elias va vous parler en mine. En fait, c'est son rire qui va faire rire. Je sais pourquoi tu es méchante comme ça envers ton frère. Elias, c'est ça du Mila. C'est Mila, Elias ne veut pas parler. Dans Elias veut parler, Mila. Miatou, Pole, Bédio, Keke, Mi Donkou, Miadi, Ndekenye, et Mi Bio, la Messena, Messiame, Mekoe, les Dobadia, Mi Bio, Miahaya. Qui a mis pour eux bon à Dijolé, Miabé et nous que Emily Wolf, Yabé Wonaya, mère, mi do à Benami, mi so à Pedada Domiago, Neva Zemi, Dijon Neva Zemi, et mi dibé Miago, Dagueta. Je suis désolée, non, mais attends, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non, je suis en mode ralenti. En fait, c'est le vrai Mina.
Oui. De chez lui, quoi. Ben oui, écoute, alors. Il quand même, d'où il vient? C'est ça. Bravo, mon bébé. On leur aurait dit, elles n'auraient rien pu faire. Elle, toi, tu peux même pas parler. Pourquoi tu laisses Elias? Elias a déjà parlé. Maman, il chagne ma pompe. Il ne faut pas m'imposer la langue que je veux parler. Je vais laisser choisir la langue que je veux parler. Pas non, non. Non. Vous avez fait jusqu'à. Mais certains ont su ma page quand je finis de faire un poisson dit traduit en lamba. C'est propre. Naïda, que de souhaiter bonjour et de souhaiter une bonne journée en lamba. Seigneur, mon père m'a enseigné ça la dernière fois. C'est lundi, on va y aller. À la fière. Alors. C'est pas à la fière. Il gagne un foufou en boulot. Non, mais cette famille, c'est pas possible. Dis bonjour. Dans la langue que tu peux. Mon père m'a enseigné ça. Mais si je prononce mal, pardonnez-moi. Moi, je ne vais pas pardonner. Moi aussi. C'est pas, pas non, mais on ne peut pas pardonner. Papa m'a dit que quand il faut dire bonjour, on dit on croit, ya. C'est une croix, ya. Oui, c'est ça le bonjour. Il a dit croix dedans. Mon ami, lâche-moi. Ah, mais c'est ce qu'il a dit. Il faut qu'on soit sûr. Ça te regarde, je salue parce que tout. Non, tu as personne cité de la localité. Parce qu'il a cité papa. Moi, je suis d'accord. Vas-y, mon bébé. Maman, partout elle dans a le cité monde. Papa. Papa, croit, papa que je connais c'est bien. C'est ce qu'on dit premièrement. Est-ce que c'est l'accent qu'il a dit? Nroya. Hé, Elias, quand tu as parlé, là, je vais parler. Non, mais j'ai parlé, tu vas compris. Nroya. On dit. Tu ne peux pas comprendre, tu ne comprends pas l'anga. C'est ça? L'anga, excuse-moi. C'est ça, on dit. À la fière. Non, on dit, on ne répond pas à la fière. On répond quoi? À la FIA, ouais. À la FIA, ouais. C'est là qu'on dit West, non? Et on sent à la FIA. Okay. West, non, c'est non, comment? Nous, on s'était arrêté à West, non? Moi, je sens. Vous là? Moi, je sens que tu nous trompes ici. Mais non, vas-y. Ouais, yeah. En fait, c'est à cause de vous, je suis allée voir mon père. J'ai dit, papa, tu as vu ce qu'ils m'ont fait sur le plateau? Mon père m'a dit, ma fille, je vais t'enseigner quelque chose, ils ne pourront même pas répondre. Okay. Bonjour, on dit nous croyons. Yeah. Et on répond à la FIA, ouais. Yeah. On va aussi demander à la régie technique, envoyez-nous les langues que vous parlez pour qu'on puisse partager cela. Parce que quand on est à l'étranger, souvent la chaleur de notre pays nous manque et on espère quand même. Mais de toute façon, on a beaucoup de langues sur la télévision togolaise. Quand vous suivez du début jusqu'à la fin de la journée, vous allez quand même ressentir la fibre patriotique. Collings nous chante Bolingo. C'est parti.
Voilà, alors nous avons ce message qui dit bonjour, bonjour mes enfants. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Agréable journée à vous tous. Merci. Et c'est depuis la France de la part de Madame Célia Johnson. Merci beaucoup, Madame Célia. Alors, bonjour et mon émission préférée. Bonjour le plateau, c'est Christian Aliki qui vous salue depuis Conakry. Merci Christian. Merci beaucoup et bonjour. Bonjour la famille, vous êtes très jolie ce matin. Mes yeux sont remplis de larmes. Naïda, tu es bénie ce matin. Amen. Et maman, ton fils est fort, hein? Bisous à lui. De la part de Stéphanie depuis Adamawa. Oui, merci Stéphanie. Il est très fort. N'est-ce pas? Ouais, donc, voilà, nous répondons que pour les. Comment tu dis? À Nissan, qu'est-ce que tu as dit? Bonjour, Nectar. Bonjour. Merci pour cette joie que vous me procurez encore ce matin. Naïda, virgule. Oui. Je suis envahie par l'onction en écoutant ta voix angélique ce matin. Tu as une voix exceptionnelle. Bonne émission à vous, Mireille, depuis Bordeaux. Merci beaucoup, Mireille. Bonjour la famille nectarienne, vous êtes mignons sur le plateau. Bonne émission à vous, c'est Kafui depuis Agbata. Merci beaucoup, Kafui. Agbata, c'est où, Elias? Tant qu'on va dire. Faut dire, on va avancer. Non, non, vas-y. Non, moi, je veux pas. Quand c'est Naïda, là, tu es prêt à attaquer non, mon bébé. Non, moi, je veux pas voler la vedette à Sandra. Pour une fois, il faut aussi. Sandra, vas-y, il faut parler. Moi, je te laisse parler. Sandra ne veut pas. Sandra, c'est comme quand on joue au ballon, pas celui la balle. Quoi? Voilà. Agbata, c'est Sandra, tu refuses de prendre la vedette. On oui, elle refuse passe, de prendre la vedette. Vous, la passe, vous refusez, les choses comme ça ne sont pas bonnes. Quoi. C'est, Agbata, c'est il faut où? Vraiment, prendre, faut vraiment prendre des responsabilités comme ça. Quand Agbata, c'est quand où? Ces moments viennent, il faut les saisir en même temps. Il y a un peu de blanc, pas d'agbé, là, d'agbé, mais non. D'agbé. Non, il y a un midi. Donc, c'est ça qui va lui emmener le bonheur. Vas-y, il faut parler. Ok, Agbata, c'est après Agbaji. Voilà, merci. Agbaji, même nos dialogues, nous t'entendons là, nous c'est Agbata, Agbaji, Agbata. Non, les Agba, Agba, Agbavi, Agbata, Agba, Agbagan, Agbapodi, Agbalepedo. Alors, on a un bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien. Émission super formidable, vous êtes tous géniaux. Merci beaucoup, merci. Depuis merci. Paris, merci beaucoup. Merci, cher. Bonjour le plateau, juste vous souhaiter un bon week-end, c'est Valérie depuis Mongo. Merci Valérie. Merci chère Valérie. Bonjour le plateau, vous êtes très mimi, bonne émission, merci pour la joie que vous nous procurez tous les jours. C'est Yobi depuis Cara. Merci Yobi. Il y avait une danse comme ça, non? Yobi, Yobi. Comment on danse ça? Bon, ce sont des... Des démonstrations là, tu cherches un chat. Les jeunes n'étaient pas encore... Ah, tu connais? Viens nous faire la démo. Oh, pardon, pardon. Non, sérieux, viens nous faire la démo, quoi. Pardon. Yobi, Yobi. Ouais, le glissement, Yobi, Yobi. Ouais, exact, le oui, glissement, Yobi. Yobi. Oh, yobi. C'est le truc où on fait... Ok, oui, vous êtes trop Michael jeune pour Jackson. Pas comprendre. Exactement, ouais, un peu comme Michael Jackson. Les jeunes ne peuvent pas comprendre, hein. Tu as raison, mon fils. Coucou à vous. Bonjour, coucou. José, qu'en est-il de ce que je t'ai dit hier? Es-tu d'accord que je... Es-tu d'accord que le Seigneur est parti célibataire à ce que je n'étais pas là? Ça sent la romance. Quelle romance? Là, ça, okay, ça c'est là, pour t'envoyer... Demande-lui de rester au niveau papier limite comme pour Naïda, c'est mieux. Hein? Parce que là où il veut t'envoyer, là, tu vas te retrouver coincé avec le Seigneur quelque part. Salut Elias, tu es fort. Hein? Bon week-end à vous tous. C'est Hippolyte, frigoriste depuis le camp 1BIR. D'accord? Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a combien de camps? Il y en a deux, non? Il y a ici et puis l'autre vers là où on fait les boissons, là. C'est pas ça? Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Okay. Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. À Didogomé, il y en a un. Il y a le camp GP. OK, il y en a plusieurs. Alors, bonjour Nectar, je suis un fidèle téléspectateur de votre émission. Vous êtes tous jolis. Je salue celle qui est en couleur grise. Elle s'appelle Naïda. Et c'est merci. Epiphane Nyambapo. Epiphane Nyambapo, depuis Cotonou, République du Bénin.
beaucoup. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je vois en chacun de vous la lumière. Merci. Excellente journée à vous tous. C'est Kato depuis Ouagadougou. Merci, merci Kato. Merci. Bonjour mes chéris, vous êtes tous mignons ce matin. J'aime beaucoup votre émission L'eau. Bonne journée à vous de la part de Dado Dalicon. Merci Dado. Merci beaucoup. Et les jumeaux, parce que chez nous ici, la tradition veut que Dado, ce soit la personne qui vienne, la fille qui vienne après des jumeaux. Et quand c'est un homme, comment on l'appelle? Edo. Dado, Edo. Voilà, où va tout doigt? Ou Fodo. Fodo, c'est avant aussi ou c'est avant? C'est après. Toujours après. C'est toujours après? Ah bon? D'accord. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je voudrais vous saluer dans ma langue. Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Allez-y. Naïda. Naïda est là. Vous en faites absolument pas. Envoyez la sauce. Bonjour, Elias, tu es super fort. Petit Eve Minaï. C'est même pas Eve, hein. C'est Minaï qui a parlé. Ah, c'est le Dagbe Dagbe, il a mis à la fin là, qui vous impressionne. Ah, tu veux continuer? C'est ça qui continue comme ça? Oui. Ah, ben merci. Oui. Ça fait plaisir. Mais tu es merci. Une fausse modestie. Oh non, mais. Mes sœurs savent que je suis très, très modeste et très humble. Bonjour Nectar, vous allez tous bien? Ok, bonne suite d'émission à vous et bon week-end à vous. C'est de la part de Ouro Nimini Sadik depuis Cotonou. Merci Ouro. Bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, rappelez-moi celui qui a chanté la chanson Mazé Mazé. C'est Chess Preza. C'est Chess Preza. Au fait, il est... He's abroad, right? He's abroad? Yeah. Yeah, sure. Ok. Oui, c'est Chess Preza. Voilà. Sure. Et l'Omé Vivina, c'est qui? L'Omé Vivina. L'Omé Rayana. Oh, oh, quand même, allez. Oh, donc à José, quand je t'envoie, tu dis mon bébé va faire, donc que tu revenais pas vite là. C'est ce que tu allais faire. C'est qui? C'est L'Omé Vivina, c'est toujours Chess Preza, non? Oh non, ils étaient trois. C'était un groupe, un featuring, je crois, non? Ok. Oui. Je vous donnerai ça. Donc, oui, il faut qu'on cherche. Oui. Alors, bonjour à vous. Moi, c'est John Comlan. Merci beaucoup à vous. Bonjour, le plateau. Vous tous, ce matin, vous êtes très mignons. Bonne émission de la part de Saint-Paul. Merci beaucoup. Bonjour, Nectar. Je vous aime tous de la part de Béatrice depuis Atakwami. Merci. Merci, Béatrice. Good morning. Morning. Good morning. My name is Nauri Hegan from Accra. I love your beautiful show and everybody in the studio this morning. I wish you a very wonderful day and weekend as well. Thank you so much. Thank you. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Force à vous, vous êtes tous forts. Merci. Merci. À ça. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Elias, tu es un 8. Si 8 comme qui? Quoi, milieu de terrain? S'il faut être attaquant. Merci. Je dis, est-ce que tu es attaquant, défenseur, au milieu? J'aime le ballon. Donc, de nature, je suis plus, sinon, je suis plus dit, en défense. Sandy, elle est, toi, qu'est-ce que tu nous as dit? Tu aimes attaquer, c'est ça. Qui joue au foot? Moi. Non, vous ne jouez pas. Tu joues? Je jouais avant. Moi, j'aime bien le football. On sait. J'ai la défense, toujours. Toujours la défense. Ouais, j'aime la défense. Très bon défenseur. Gardienne, l'équipe là devait tout le temps ramasser des paniers. Hein. Mais toi dans les filets. Oui. Ah bon? On va faire un match. Très bientôt. Oui. Bébé? Pas de foot. J'ai joué qu'une seule fois. Non. Et ce jour-là, c'était notre prof en terminale qui a dit les filles contre les garçons. Genre, nous on était plantés là, on regardait. On n'arrivait même pas à courir. Il n'y a qu'une seule fille qui faisait. Nous on était. Je ne savais même pas par quel côté j'allais courir. Du coup, foot là. Quand le Togo joue, je regarde. Ah. C'est ça. Après. C'est vrai qu'il y a des filles qui jouent. Qui jouent. Oh, ouais, chacun avec sa passion. C'est vrai quand même. Yeah, ça c'est sûr. Alors bonjour le plateau. L'Omé Vivina chanté par le groupe Extase. Okay. Exactement. Ah, où est-ce qu'ils sont maintenant? Ça m'a échappé. Alors bon début de semaine à vous. Celle qui habille rouge noir. Merci beaucoup. Monsieur Prosper depuis Cité Ouya. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Je vous aime tous. Bonne émission. Et bonjour la famille, ça fait du bien quand on ressent par vous la chaleur matinale de son pays à l'étranger. Je m'appelle Ulrich depuis Accra.
Etisin. Mm. Ah ben, c'est ça, c'est du... C'est la langue tui. Tui. Mm. Ça, c'est la langue tui depuis Accra, oui. Hein. Onyami, Kassa, Mikra, Michel. Qu'est-ce qu'on va encore dire? Onyami, Pacho. Oui, c'est pardon. Et pardon, excusez-moi. Ouais. Onyami, Shirao. Voilà, Onyami, Shirao. Bonjour le plateau. Bonjour. Tout juste pour vous souhaiter une bonne émission, mes frères, merci beaucoup et courage. Je suis Agbe depuis Bekbota. Merci Yannick. Je suis Catherine depuis Atakwa, mais je vous aime. Merci. Bonjour Nectar, j'espère que vous allez tous bien. S'il vous plaît, où est le petit garçon? J'oublie son nom. Il est parti à l'école. Il est parti à l'école. Vous voyez qu'il est innocent, mon bébé. Un bébé très innocent. Merci à vous. Bonjour. Je profite pour saluer tous les bébés de maman Aïcha et la famille Amewovo de Dang. C'est félicité depuis Bekbota. Merci beaucoup. Félicité. Bonjour, Naïda. Tu as une voix exceptionnelle. Merci beaucoup. Tu nous fais un autre... Non, bon, ça, c'était Fifi Rafia, tout tu nous as fait. Oui. On va faire Yaya Lélé. Yaya Lélé, elle est... Vas-y, donne-nous. Manon Bidio. Je savais que tu avais un don caché. Banana. Majo non bitio de VVCCA Ameye be unalo Mbanona Manon bitio Mbanona Majo le bo Waouh, merci Sandy. Oh mon Dieu, hein, franchement, il y a des personnes. Oh là là, qu'est-ce qu'elle. Faut qu'on fasse un numéro spécial. Hein. Pense-y, quand même qu'on puisse avoir. Voilà, on sait quand même que Fifi Rafiatou, ses chansons ont été reprises pour sonnerie, je crois, par. Ouais, pour une téléphonie. Elles chantent toujours. Quand tu vas sur sa page Facebook, tu vois, elle fait des petites prestations. Mais elle poste quelques vidéos. En tout cas, j'en ai vu récemment. Qui a chanté Ebanzi? Monia Tchangai. Monia Tchangai. Ebanzi. Non. Elle est talentueuse. Non. Monia Tchangai aussi, elle a de très belles compos. Oui, très très belles. Franchement, vous voyez que les profs de votre mère. Oui, c'était magnifique. Alors, on a la fille là aussi. Hein. Qui est décédée? Oui, elle chantait. Finiki. Finiki, oui. Adahuayo Layomlo, c'est ça Finiki, non? Qui a chanté? C'est C'est vrai que je ne comprends rien, c'est tout ce que j'ai pu retenir, mais c'est une très belle chanson en tout cas. Non, mais le Togo, c'est beaucoup de talent, beaucoup de belles choses. C'est dommage quand même. C'est dommage, voilà. Il faut qu'on fasse... On va devenir nous-mêmes des producteurs et puis on va contacter toutes ces personnes-là et puis faire sortir une compile de ces chansons-là quand même qui ont bercé moi, ma jeunesse et vous. Notre enfance. Votre fœtus. Quand vous étiez dans mon ventre. Il faut comprendre ça. On était smart, très smart dans le ventre. Oui. Si pour retenir tout ça là, jusqu'à Lomé Vivina, quoi, elle est passée par où là? Non, au temps de Lomé Vivina là, ça c'est récent. En ce temps, elle était déjà née. Et là, je l'envoyais et au lieu d'aller faire la course, elle sortait, elle allait à Biblos, comme elle vient de le dire. On va finir l'émission. On va se jeter. Je suis déjà rentrée là-bas. Bonjour la famille, je réponds au nom de M. Maxime Loubitin depuis Dapaon. Bon, c'est ma première fois de participer. Je suis très contente ce matin, je veux vous voir et je salue ma maman Élise et M. le conseiller. Lequel conseiller? Alors, oui, c'est Monia Changa qui a chanté Ponzi. Jeudi, où vous vous êtes... D'abord, quand on écrit, on est en famille. Et quand on écrit, vu qu'on le dit partout, les Togolais sont des personnes très, très bien éduquées,
on écrit, même si on a envie de se montrer fun, avec des mots qui sont respectueux. Du coup, votre message ne sera malheureusement pas lu. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous, s'il vous plaît. Maman veut voir les tenues du plateau en défilé de mode pour ce début de week-end long. Oh, Naïda va nous faire le show. Fais, on va aller au jingle, dépêche. On n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi c'est Naïda qui doit faire? Parce qu'on est d'accord que tu es magnifiquement habillée. Non, c'est pas une nouvelle chaussure. Hein, mais avant, mais la, veste. Il y a une nouvelle veste. La classe. S'il te plaît, Naïda, maman n'a pas beaucoup de temps. On est maman, très chargé. On défile ensemble. On défile ensemble? Oui. D'accord, c'est parti. Maman, viens, on y va. Non, à trois, allez, un, deux. Toi, tu danses, sois devant. Oui, on y va. Maman, on va t'arrêter. Mais non, on comment ça route. Voilà, c'est super. Okay. Je savais. Je connais non, tellement mon Maïcha. Naïda, pardon, faut, ouais, tu, voilà. C'est bien, tu es bien parée. Voilà, c'est rien de terrible. Non, mais c'est Zo, hein. C'est Zo. Rien à dire. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes terrible, José, toi aussi. Alors, bonjour, je m'appelle Paulin Kouchimi depuis la Guinée équatoriale. Je vous salue tous. Merci, merci monsieur merci, Paulin. Paulin. Et bonjour le plateau. Bonjour. Moi, je veux écouter maman et José parler en votre langue de la part de Antoinette depuis Port-Gentil. Inta. Mielei. Mielei. Parce que Melk est traumatisée. Melk est traumatisée. Non, bon, ben, en fait, oui, non. C'est manette. Comment on dit manette? Ça existe en ville. Manette. Ah, ouais, c'est vrai. À un moment, il faut qu'on ait moi, je suis qu'on ait moi. Moi, je suis qu'on ait moi. Moi, je suis qu'on ait moi. Et moi, je suis qu'on ait moi. Et moi, mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'un mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informer les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Souffrez que nous ne fassions pas l'interview en langue vernaculaire. J'aurais très bien pu, hein. Mais disons que celui qui est là, au moins j'en connais deux. Il y en a un qui vient de l'Afrique centrale, comme moi,
Et bon, bref, et puis il y en a un autre qui a perdu la langue en cours de route tellement il est dans les joutes verbales. Donc du coup, on va parler français pour pouvoir faire plaisir à eux, jusqu'à eux. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, Richard. Bon, toi, on ne te laisse pas te présenter parce que tu fais partie de la famille. Donc je vais me tourner avec toute la politesse possible à ma gauche. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous allez bien? Bien, et vous-même? Je ne sais pas encore, on verra si d'ici la fin de votre entrevue, j'irai bien. C'est bon? Présentez-vous. Alors, Jean-Yves Moriot, président de Crous, qui est une société financière internationale. Okay. Je vais laisser à mon collaborateur se présenter. Oui, moi, je suis Yannick Mbambiam, je suis le manager Afrique de Crous. D'accord. Monsieur Moriot, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Monsieur Mbambiam. Mbambiam. Ouais. Congo, Gabon? Cameroun. Cameroun. Sud Cameroun. Du Sud. Voilà. Je fais une escale là-bas il n'y a pas très longtemps. Oui. Pour manger du ndolé. Ouais. Alors, Frédéric Tchatchou, country manager de Crous et promoteur des joutes verbales francophones. Et mon fils, qui est sur le plateau. Oh, tu vois. Ah, lui, c'est mon fils, mon rejeton, ma fierté, mon bébé Dorinel. Oh. Ça va? Ça va super. Ah oui, ça va super. Ça va bien? Oui, d'accord. Ça va très bien. Alors, Crous, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend... C'est sûr qu'avant que vous ne veniez ici, il y a déjà beaucoup de communication qui se fait. Donc, tous, d'une manière ou d'une autre, on voit le Crous, là, comme écrit sur le t-shirt de M. Dorinel, le CR2OS. Et on se pose beaucoup de questions dessus. Qu'est-ce que c'est concrètement? Déjà, quand vous avez dit société financière, j'ai dit youpi. Maintenant, est-ce qu'on a le droit de se réjouir ou pas? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Crous est une société financière française qui accompagne les étudiants étrangers en mobilité vers la France dans le cadre de l'obtention de leur visa étudiant. Okay. D'accord. Nous proposons différents services, dont notamment la caution bancaire pour études, qui est une manière de justifier ses ressources financières pour pouvoir vivre en France pendant son année académique. Ensuite, on a notre service qui est l'aide à la recherche de logements étudiants depuis le Togo. C'est-à-dire que l'étudiant depuis le Togo peut trouver un logement en France. Après, nous avons des services d'assurance voyage incluses et notamment un service financier de prêt de billets d'avion. Donc, ça, on permet aux parents de pouvoir payer son billet d'avion en plusieurs fois. Parce qu'on sait que... La situation n'est pas... Oui, donc bon, la situation économique et surtout le projet d'études d'études en France demande quand même certains moyens financiers. Donc on essaye vraiment d'alléger un peu le poids des parents pour les enfants. Donc on essaye de trouver comme ça des petites solutions pour pouvoir leur permettre de faire certaines économies afin de pouvoir envoyer leurs enfants en France. Bon, on va se mettre en situation... On va se mettre en situation et essayer de se dire que bon, mon fils Dorinel vient d'avoir son bac. Non, toi, on te connaît tellement, il vaut mieux ne pas prendre Dorinel. On va prendre Naïda. Elle vient d'avoir son bac. Et oui. Là, je rêve. Tu veux faire quoi, mon bébé? La Sorbonne, non? Oui. Tu veux aller à la Sorbonne? Oui. Voilà, ils sont là, t'inquiète pas. D'accord. Dès demain, tu vas partir, hein, t'inquiète pas. Alléluia. Alléluia. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous contactons le Crous? Ah, ou non. Comment est-ce que ça se passe? Alors, nous, il faut savoir que Crous, on intervient dans une partie bien précise de l'étape pour aller étudier en France. Pour aller étudier en France, il y a deux grosses étapes. Il y a la grande phase qui est l'admission. Oui. L'étudiant doit s'inscrire sur une plateforme qui s'appelle Études en France, qui est gérée par Campus France Togo. Où il va créer son compte, remplir différentes informations, mettre à disposition ses diplômes, ses révélations notes, etc. C'est l'aide de motivation. Ensuite, il aura accès à toutes les universités en France pour lesquelles maintenant il va postuler. Avant même qu'il ait une admission, il va passer un entretien auprès d'un agent Campus France qui va évaluer son projet d'études. Une fois que l'étudiant a eu son admission, c'est là que nous, on intervient. D'accord. Donc, il y a la deuxième grosse étape qui est maintenant l'obtention du visa. C'est là où on intervient pour simplifier ces démarches administratives-là à l'étudiant. Mm-hmm.
Donc, je reviens toujours avec ma question pour que les téléspectateurs puissent bien comprendre. Il le disait tout à l'heure, Campus France Togo, je crois que monsieur bon, Frédéric, tu es le... Je te tutoie, je te vous vois, je te tutoie, c'est mieux, ça va aller naturellement. Ouais. Alors, on vous contacte maintenant, si, ou alors la personne s'inscrit juste sur la plateforme. Comment est-ce que ça... J'ai envie que les choses soient simplifiées pour que celui qui nous regarde à la maison puisse se dire, bon, ben, d'accord, je comprends un peu, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a des étudiants qui prennent le visa pour aller étudier. Donc, a priori, on pourrait juste dire comme ça, ce n'est pas une nouveauté. Maintenant, la particularité là, c'est cela que je voudrais qu'on puisse faire ressortir. Oui, ok, je voudrais clarifier les choses. Campus France est un établissement public français qui opère dans tous les pays qui ont des relations de coopération et d'action culturelle avec la France. Et donc au Togo, il y a un bureau de Campus France qui est situé dans les locaux de l'Institut français. Et donc, moi, je ne suis pas représentant de Campus France, mais je suis représentant de CROUS, la Société financière internationale au Togo. D'accord. Et donc, comme Jean-Yves le disait, nous nous intervenons lorsque l'étudiant a fini toutes les démarches de Campus France et qu'il a une admission dans une université française. Et c'est là, nous nous intervenons pour lui faciliter l'obtention de son visa à travers notre offre de cautionnement bancaire. Ok. Ouais. Donc, comment ça se passe maintenant par rapport à cette offre de cautionnement? Parce que là, quand on dit j'ai mon admission, on va dire Naïda a gagné son admission pour la Sorbonne, et maintenant, elle vous contacte et vous commencez à l'aider. Est-ce que quand on parle de cautionnement, vous vous portez garant ou il y a quelque chose quand même que l'étudiant doit payer et avoir une contrepartie avec vous? Comment ça se déroule? Alors, cette question de caution bancaire, ce qu'il faut noter, c'est que l'État français a fait une estimation de la somme minimale pour un étudiant étranger ou français, en tout cas, pour survivre en France pendant un mois. Mm-hmm. Et cette somme est de 615 euros. Et donc, pour accorder un visa à un étudiant qui veut aller étudier en France, l'État français exige que l'étudiant puisse avoir à sa disposition la somme de 615 euros pour les 12 premiers mois qu'il va passer en France. Mmh. Et donc, il faut prouver au consulat de France qu'on a à sa disposition ces moyens financiers-là. CROUS, alors, est ce service qui permet à l'étudiant de cautionner cette somme et lui délivre un document qu'il va emmener au consulat. Le document va justifier, justement, que l'étudiant dispose de ses moyens financiers. Donc, avant tout, ce sont les moyens financiers de l'étudiant. La caution bancaire est constituée des 615 euros fois 12, donc 7 380 euros, que l'étudiant a et qu'il va alors mettre dans un compte bloqué. Ce compte est bloqué par CROUS et CROUS s'engage alors chaque fin du mois, une fois que l'étudiant en France, à lui reverser 615 euros pendant les 12 mois. Et cela pour que non seulement les parents soient rassurés et que l'enfant a les moyens de vivre en France, mais surtout pour que les services consulaires soient sûrs que l'enfant va vraiment pour étudier et qu'une fois en France, rien ne va l'empêcher d'avoir les moyens nécessaires pour survivre. Mm-hmm. Alors, le service de CROUS est donc celui de cautionner cet argent, de mettre cet argent en banque et de le bloquer pour ensuite le reverser à l'étudiant chaque mois. Et CROUS ajoute à cette caution bancaire qui est attestée par l'AVI le fait d'aider l'étudiant à trouver un logement. Parce qu'après, l'AVI n'est pas le seul document pour avoir un visa. Il faut alors prouver qu'on a un logement qui va l'accueillir en France. On a une plateforme qui va aider l'étudiant, comme l'a dit le président tout à l'heure, depuis le Togo, à accéder aux offres immobilières en France et à trouver un logement pour le justifier au consulat. Mmh. On l'aide également en lui facilitant l'assurance voyage pour ce qui est le déplacement qui va aller en tout cas au Togo. On travaille dessus, mais au Cameroun, par exemple, c'est déjà fait. On ne va pas payer l'assurance, par exemple. Alors, en plus de cela, comme l'a dit également le président, payer le billet d'avion à plus de 400 000 francs juste après avoir fait une caution de 7 380 euros, c'est quand même lourd, alors qu'il y a un voyage à préparer. Et donc, nous aidons l'étudiant en lui payant, en achetant le billet d'avion pour l'étudiant, et il le rembourse en 10 mensualités. Ce qui fait que la somme globale du billet d'avion, plutôt que de la dépenser, du coup, il peut alors s'en servir pour préparer son voyage pour la France. Voilà les services qu'offre CROUS dans les pays auxquels... il est implanté. D'accord, donc ce qui voudrait dire pour celui-là qui a obtenu son admission et qui vous a contacté, il vient quand même déjà avec les 615 euros fois 12. Hein. 12 voilà.
en plus des frais de service de CROUS. Voilà, je tiens à le spécifier. Alors, il faut savoir que l'AVI, on peut l'avoir à travers une banque. On peut avoir un document à travers une banque qui atteste qu'on a les moyens financiers nécessaires. Le problème, c'est que les frais ou le coût lorsqu'on passe par une banque est très élevé. Exact. En même temps, la banque est peut-être au Togo. Et lorsque, par exemple, l'étudiant arrive en France, il faut lui transférer cet argent chaque fin du mois. Il se passe que les frais de transfert sont déduits des 615 euros. Donc, l'étudiant ne reçoit plus les 615 euros, ce qui est déjà inférieur à la somme minimale. Ça, c'est des choses. Voilà. Maintenant, quand vous passez par CROUS, les frais de service sont deux fois, presque trois fois moindres. Pour le Togo, 366 000 francs CFA seulement. Cette somme lui donne accès à l'AVI et à tous les services qui tournent autour. Et là, le compte, il est bloqué en France. Ce qui fait que l'étudiant n'a pas de frais de transfert à payer. Il reçoit exactement ses 615 euros chaque mois. Voilà. Vous avez cette question qui dit « Bonjour la famille, je me suis inscrit, mais je n'avais pas encore récupéré mon attestation. Cela a fait que je n'ai pas terminé l'inscription. Maintenant que je l'ai, est-ce possible de terminer l'inscription ?» De quelle inscription il parle? Bah écoutez, répondez et dites de quelle inscription est-ce que vous parlez. C'est important. Alors, on a ce message qui dit « Bonjour à tous, s'il vous plaît, je voudrais savoir… Je voudrais savoir qu'est-ce qu'eux, ils gagnent. Bon, bah, j'ai oublié la question comme elle est venue. Hein. Mm-hmm. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'eux, ils gagnent dedans. Trop beau pour être vrai. On va peut-être laisser M. Mbam bien parler. Oui, oui, en réalité, ce que CROUS gagne déjà, parce que c'est un marché, c'est une activité, il faut bien que l'activité nourrisse l'homme. C'est donc principalement ses frais, mais ce n'est pas le plus important parce que cette activité résulte notamment d'un problème qu'on essaie de résoudre, c'est-à-dire la mobilité des étudiants vers la France et aussi l'intégration de ces étudiants une fois en France. Et en réalité, c'est un projet qui voudrait qu'on puisse permettre aux étudiants de quitter leur pays d'origine pour étudier en France et rentrer dans leur pays travailler. Donc, vous voyez qu'on est, tout jeune et c'est une façon pour nous de donner un coup de main à nos jeunes frères. Alors donc, quand on a, là, on se dit, c'est sûr qu'on ne va pas peut-être faire un an, on va faire deux ans, trois ans. Donc, on commence par préparer déjà le deuxième versement pour l'année qui suivra encore, toujours sur ce compte bloqué-là. Et le CROUS va continuer par défalquer cet argent. Comment ça se passe? Alors, l'État français exige que l'étudiant puisse disposer de moyens financiers, moyens financiers suffisants pendant les deux premières années. Avec la première année, il fait son AVI depuis le Togo. Il arrive, on lui refait un virement, on lui reverse ses frais de vie tous les mois. À la fin du 12e mois, il devra encore refaire une deuxième année. Au bout de la troisième année, il n'aura plus besoin d'AVI. D'accord? Parce que il y a l'étudiant, quand il arrive en France, il vient avec le visa étudiant. Après, il y a la carte de séjour. Et la condition pour renouveler cette carte de séjour, au bout de la première année, c'est justifier encore de revenus financiers suffisants. Au bout de la troisième année, c'est complètement différent. La règle change. Voilà. D'accord. Alors, oui. Oui, tu fais signe à Dorine. Non, tu as fait signe à Dorine. Bon, en fait, c'est moi qui réponds à la question, mais je peux aller dans ce sens parce que CROUS a tout prévu, en fait. Donc, après la première année, l'étudiant n'a plus nécessairement besoin de faire l'AVI ou bien de déposer de l'argent sur ce compte. Okay. Nous avons une plateforme qui regroupe plus de 200 000 jobs étudiants que nous mettons à disposition des étudiants qui partent par nous pour pouvoir leur permettre de trouver un job qui leur permettra, dès la deuxième année, de pouvoir justifier leurs moyens de subsistance. Et donc, c'est, tout cela est inclus dans notre service. Alors, d'accord. Juste une petite correction. Il aura la possibilité de cumuler les deux, soit de trouver un job qui va lui permettre d'avoir des revenus suffisants.
D'accord. Okay. Et la plateforme Search, c'est un service qu'on apporte en plus à nos étudiants. L'idée pour eux, c'est qu'une fois qu'ils arrivent en France, pour certains, ils ont souvent des stages à faire. Ouais. Ou pour d'autres, ils ont besoin d'arrondir leur fin de mois parce que bon, ils estiment que les 615 €, c'est pas assez, ils en veulent un peu plus. Et d'autres ont envie d'enrichir leur CV. Donc nous, on leur met à disposition cette plateforme-là où il y a 200 000 offres d'emploi à peu près, référencées sur toute la France, aussi bien des jobs d'étudiants, des emplois, que des stages. Voilà. D'accord. Alors, si on se dit que j'ai la personne a un parent comme moi, comme ça, qui veut inscrire ma fille, elle est partie où ma fille là? Aussi, viens, on va voir que tu es sur la plateforme. Elle est déjà là au port. Alors, tu faisais ta valise. On sait qu'il y a des facilités pour le billet. Ça, c'est le billet pour l'étudiant. Mm-hmm. Mais si moi-même, la maman, je veux aller voir si ma fille s'intègre. Alors là, il s'agit d'un tout un autre type de visa qui est complètement différent, qui est le visa court séjour. C'est pas grave, mais est-ce que vous pouvez me payer le billet et puis sur une échéance de 10 mois, je vous rembourse? Non, aux familles. C'est très, très douloureux hein, qu'on se sépare de ses enfants pour qu'ils aillent fréquenter ailleurs. Ne ris pas, Dorinelle. Alors, on pourrait très bien le faire, mais il faut comprendre que l'obtention d'un visa court séjour obéit à d'autres règles, à d'autres justificatifs. Donc, ce n'est pas uniquement le financement du ménager. Oui, non, j'ai le visa. Ah, si vous avez... Je me débrouille pour avoir le visa, puis-je contacter Crous pour le billet d'avion parent étudiant? Comme c'est vous, il n'y aura pas de problème. Tu vois? Donc, ce qui veut dire... Bon, mais là, comment vous avez répondu? Là, j'ai compris que ce n'était pas faisable, de toute façon. Oui, en réalité, on essaye d'aller progressivement pour essayer de donner un coup de main d'abord aux étudiants, et ensuite on est en train de réfléchir sur comment résoudre ce problème. Alors, pour terminer, vous avez reçu beaucoup de questions, malheureusement nous sommes pris par le temps. Oui. Quelqu'un dit bonjour, j'aimerais savoir quel est déjà vous, je crois que monsieur Morio, excusez-moi, l'a dit tout à l'heure, il y a des offres d'emploi qui sont sur la plateforme. La personne voulait savoir quels étaient les emplois que l'étudiant pourra obtenir à la fin. Je crois qu'il suffit d'être sur la plateforme pour voir quelles sont les offres qui sont là et ce qui vous convient. Vous postulez et puis le tour est joué normalement. Dans tous les cas, quand vous essayez un peu de parcourir la plateforme, quand on est encore étudiant, il y a les jobs étudiants qui existent en France, même les cours, peut-être les cours d'anglais à distance, les petits jobs dans les pizzerias, McDonald's, et ça va progressivement en fonction du niveau d'études des étudiants. Voilà. En fait, c'est vraiment très varié. C'est très varié, mais généralement, les jobs étudiants qui reviennent plus régulièrement, c'est les jobs de coursier, c'est les jobs de babysitter, c'est les jobs professeur à distance. Oui, professeur à distance ou répétiteur, comme l'on dit, etc. Et ça va à des stages, à des emplois de vendeur, à temps partiel, etc. Mais c'est vraiment très, très varié. Merci aux invités. Je leur dis merci pour ce processus bien réfléchi. J'ai ma sœur qui actuellement est en France grâce à cette institution. Force à vous. Ah, merci. Ah, bah, beau témoignage. Merci. Est-ce que vous ne faites pas mon affaire. Vous n'avez pas envie de rejoindre votre sœur? Hein? C'est bientôt, on est dans le mois de mai, c'est le printemps. Justement. Bientôt l'été. La rentrée, c'est bientôt. Oh. Alors, bonjour à vous. Bon, c'est la personne qui avait parlé de l'inscription tout à l'heure. On va terminer après avec ça. Elle dit qu'elle s'est inscrite sur Campus France. Donc, elle renvoie pour dire, n'oubliez pas ma question, s'il vous plaît. Voilà, j'ai lu. Alors, l'inscription, c'est peut-être l'admission dont elle est en train de parler. En attente de l'admission, nous allons en fait la conseiller de commencer déjà à réfléchir à la caution, puisque après, c'est juste l'étape qui va suivre. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les écoles auraient répondu et qu'on touche du bois, il n'y a pas de refus, c'est-à-dire que la personne est acceptée dans une université française, elle peut alors se rapprocher des services de Crous
pour commencer à parler procédure d'AVI. Mm-hmm. On verra avec, avec la personne concernée, en tout cas en l'occurrence celui qui a écrit le message, qu'est-ce qu'il faut pour demander l'AVI, pour ce qui concerne la procédure d'AVI, la demande en ligne, la signature de contrat, le paiement de la caution et tout. On va faire suivre la procédure. Il dépose l'argent, il signe le contrat, on lui délivre l'AVI. Alors je tiens à signaler qu'une copie de l'AVI est transférée par Crous au consulat pour rassurer que la copie qui sera emmenée par l'étudiant n'est pas fake. Mm-hmm. Voilà. Et aussi, les autres services, on va ensuite voir la procédure pour qu'il ait accès aux autres services qui vont avec. Mm-hmm. Dès qu'il est accepté, la suite sera logique. D'accord. Oui. Alors, ma dernière question, vous avez parlé, Dorinien tout à l'heure a dit, je crois, par rapport au Togo, il y a encore certaines choses qui ne sont pas installées sur la plateforme, c'est ça? Ou alors dans tous les pays? Non. Et c'est dans combien de pays alors, que vous êtes déjà? Alors, mon collaborateur disait que l'assurance voyage incluse, on est en train de travailler pour voir comment l'inclure dans les frais de service. Au Cameroun, par exemple, les étudiants, dans les frais de service qu'ils payent, ils ont une assurance voyage du groupe AXA qui est gratuite. Là, au Togo, on est en train de voir comment le mettre en place. En train de voir, là, c'est à peu près dans combien de temps. C'est dans bientôt. Ma fille fait son travail, ça ne revient pas trop cher, en fait. Oui, très bientôt. Donc, c'est encore un service, toujours, pour alléger la charge aux parents. La charge financière des parents. Il faut savoir que l'assurance voyage aussi, c'est payant. Donc, nous, on l'offre sur nous et on l'offre aux parents dans le cadre de nos frais de service. Oui, ça fera une économie pour maman, oui, pour acheter son billet d'avion pour aller voir Naïda. T'as pas un peu soif? Je te la lance. Non, c'est bon, merci. Alors, pour contacter le service Crous ou alors pour rejoindre la plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Comment on vous joint? Comment on vous appelle? On écrit où? On gongonne où? Tout ça, on veut toutes les bonnes informations. Alors, que ce soit pour écrire, pour gongonner, mm-hmm, ou bien pour nous contacter. S'il te plaît, on n'est pas encore dans le jeu verbal, on n'est pas tranquillement. Alors, Crous Togo, vous pouvez être contacté au 70 15 33 33. Okay. 70 15 33 33. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp via ce numéro à tout moment. Okay. Et les bureaux de Crous à Lomé sont installés à Didjolé, non loin de la pharmacie de Didjolé. Les feux qui croisent les pavés de Lomégan et les pavés de Toti. L'immeuble PESCO qui est là, nous sommes au premier étage, au niveau du cabinet Expert Team Group. Voilà, c'est le même bâtiment. Et donc, vous pouvez arriver là-bas de lundi à vendredi. Nous sommes ouverts de 8h à 18h. Okay. Et les samedis de 8h30 à 13h. Mm-hmm. Ils peuvent passer pour tout ce qu'il y a comme question ou nous écrire sur WhatsApp et on est là pour répondre. Quant à la plateforme, ils peuvent déjà visiter notre site internet www.crous.fr et ils verront tout ce qu'il y a à savoir sur Crous. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Monsieur Mobio et Monsieur Mbiam. 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 Voilà. J'étais fait quoi? Monsieur Mobio et Monsieur Mbiam, merci beaucoup. Okay. Et franchement, bravo. Hein. Je ne sais pas ce qui vous a donné cette idée ingénieuse là, mais on espère que vous allez pouvoir encore plus approfondir les choses. Et c'est très important de penser aux parents. Aux parents. Voilà. Aux parents des étudiants. Absolument. Absolument. Je suis moi-même parent, voilà. Ma fille a eu le bac, donc je comprends. Non, mais vous n'avez pas besoin de ça. Pardon? Non, vous n'avez pas besoin. Je l'ai murmuré, je ne l'ai pas dit. Non, mais je suis parent, donc je mets à la place des parents et qui prennent en charge, qui ont cette charge financière là. Donc, avec mon équipe, on essaye toujours de mettre en place des services qui allègent le poids des parents. Merci beaucoup. Et pour pouvoir écrire sur la plateforme, on dit plateforme WhatsApp, hein, c'est ça? C'est le 70 15 33 33, 70 15 33 33. Et je crois qu'il vous suffit tout simplement de les appeler aussi et puis vous diront où se trouve le siège ou le bureau de Crous ici à Lomé. Et vous pourrez donc directement aller là-bas, les voir et ils vont vous conduire, ils vont vous aider afin de pouvoir faire partir vos enfants. C'est quelque chose de très stressant. On sait de quoi on parle, c'est pénible. Et si vous n'étiez pas venu ce matin, ben ma fille, j'étais obligée de l'inscrire à la pâtisserie. Mais là, du coup, tu vas pouvoir aller faire la Sorbonne. Hein. Merci infiniment, messieurs. Merci. Et avant vous ne partez pas, si vous permettez, je vais en même temps te demander, parce que bon, on sait que tu ne m'as pas parlé de course là. Toi, moi, on s'est arrêté sur joute verbale. À partir de quel moment? Donc, j'aimerais quand même qu'on saute un peu sur joute verbale et qu'on puisse en parler, si tu permets. Ouais. Alors, où est-ce que nous en sommes?
La toute dernière fois, c'était, non, c'est pas Dorinel. Oui, c'était lui. C'était, non. C'était lui et Donny. Et Donny, la fille. Oh, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Mes filles sont amoureuses de toi, donc je me mélange un peu. Oh, tu es mon fils. Ok. C'est compliqué. C'est pas bien en famille. C'est pas bien en famille. Alors, justement, c'était pour le lancement. Hein. Et là, depuis, bon, c'est sûr, on vous suit, on sait que les choses se font. Où est-ce que nous en sommes? On est à quelle étape? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir un petit débrief? Je laisse Dorinel. Alors, la finale, nous sommes déjà à l'étape de la finale. Mm-hmm. Beaucoup de choses sont passées entre-temps. Et c'est déjà demain soir la finale, demain samedi à 17h à l'Institut français du Togo. Bon, les places sont limitées, l'entrée est sur invitation. On pourrait être suivi en live Facebook, voilà, pour ceux qui ne pourront pas entrer. Mm-hmm. Mais c'est pour dire qu'après, un voyage long a été fait. Nous étions à peine là il y a quelques temps pour le lancement. Aujourd'hui, déjà, nous sommes à la finale. Et donc, nous invitons beaucoup de personnes à s'abonner à la page Outre-Val francophone Togo pour ne rater aucune miette de cette grande finale de demain. Alors, la finale, c'est où? Est-ce qu'on a les finalistes? Je crois qu'on doit avoir des images, Melka, on doit avoir les images des finalistes, si on peut montrer. La finale, c'est demain, c'est où, c'est comment ça va se passer? Parce que, bon, c'est sûr, tu le dis, les places sont limitées. Les invitations, comment on fait pour les récupérer? Il faut payer. S'il faut payer, il faut me dire, je vais m'inscrire sur la plateforme de course. Comment ça se passe? Alors, je vois Fred avec des invitations. J'aimerais le laisser aborder cette question avant. Donc, oui, en fait, tu voulais m'en... Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci, très cher Fred. je prends glorieusement les invitations. Je vais inviter monsieur Mbiam. C'est ça? Non, c'est bien. Vous ne voulez pas? On est invité. Vous êtes déjà invité, ouais, monsieur Mbiam? Moi, je veux bien. Je ne suis pas invité, malheureusement. Ah, non, je fais ça. Alors, Ina? Alors, c'est compte tenu de la COVID, mm-hmm. Les places sont... Les restrictions sanitaires nous ont obligés à limiter le nombre de participants physiques. Et donc, l'Institut français nous offre que 100 places. Et nous avons fait des invitations à nos partenaires, à des gens qui nous ont aidés et tout, les candidats avec leurs parents. Il y en a 12 là, ce que je vois. C'est 12 ou... Oui. Ce sont 12 finalistes, okay. Les parents, leurs amis qui veulent inviter. Et donc, nous avons fait la possibilité de pouvoir diffuser en direct l'événement pour permettre à tout le monde de suivre. Nous sommes au regret de ne plus accueillir cette année plus de 700 personnes que nous accueillons les années passées. C'est malheureux, mais nous pensons que Covid va passer rapidement et nous allons renouer avec cette ambiance, cette chaleur humaine que nous avons l'habitude d'avoir à l'Institut français. Alors, donc, oui. C'est sur la page Facebook de Joute Verbal. Oui, ça va être diffusé sur la page Facebook de Joute Verbal francophone Togo et sur la page Facebook de l'Institut français. Ok, d'accord. Togo. À partir de quelle heure? À partir de 17h. 17h. Un mot, le cru de cette année, qu'est-ce que vous en pensez? Le cru? Oui. C'est du grand cru, c'est du... Cru, C-R-U. Bah, ne fais pas des choses pareilles. Alors... Déjà, t'inquiète, on va éteindre les caméras, on va éteindre ça. Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est qu'on a eu 48 candidats au départ qui ont eu à participer à des épreuves de débat au forum parlementaire. Ils ont débattu et c'était 4 par commune et 12 communes participent justement, 8 communes à Lomé et 4 communes à l'intérieur. Et après la phase des éliminatoires, nous avons retenu 2 des meilleurs candidats de chaque commune. Et nous avons envoyé en stage dans leurs mairies respectives. Okay. Donc pendant 2 semaines, ils ont travaillé avec les équipes de la mairie, ils ont travaillé avec les populations, les conseillers municipaux, afin d'avoir des informations relatives à leur commune, les connaître en mieux, mais surtout connaître les problèmes de la commune et de la mairie, et d'identifier à travers toutes ces informations-là une idée de projet de développement communal. Donc les 24 candidats demi-finalistes avaient chacun un projet qui devait alors énoncer lors de la demi-finale, après avoir fait un rapport en 5 minutes devant un jury de leurs 2 semaines de stage. Le jury a alors retenu pour chaque commune le meilleur candidat sur la base de son éloquence, sa capacité à faire son rapport effectivement, mais également sur sa capacité à identifier une très bonne idée de projet. Et donc actuellement, ils sont 12 finalistes et c'est un candidat par commune. Les 7 communes du Golfe, la commune d'Aguenivé 1, la commune de Zion 1, il y a Kosa 1, Tchaoudjo 1 et Ogou 1. Ça fait 12 candidats. Et pour cette finale,
chaque candidat disposera de 5 minutes pour pitcher, vendre son projet du au jury. Là, tu ne me dis pas que c'est du grand cru ou c'est du... Moi, c'est tout, parce que Tchao Dia, là, c'est chez moi. Donc, je voulais que tu chutes un peu en disant, mais je sens Tchao Dia un peu... Alors, actuellement, Tchao Dia veut gagner, Ogou veut également. Mais je tiens à signifier que le lauréat, demain soir, va avoir du comité un financement pour son projet. Le but, c'est que le candidat lauréat puisse avoir de quoi exécuter son projet dans sa commune. Mm-hmm. Les projets sont budgétisés. Demain, ils vont le faire savoir au jury, en tout cas, chacun à sa manière. Et le meilleur d'entre eux recevra comme premier prix le financement de ce projet afin d'impacter sa commune au mieux. D'où le thème général. Ciao, pour ma on est ensemble j'impacte. Demain. Toi, tu es de Tchao Dia, en fait. Oh, c'est ça, c'est Tchao Dia. Voilà, on est ensemble demain, on ne parle plus beaucoup. Oui, que le meilleur gagne. Tchao Dia, toi-même, tu comprends déjà. On ne parle pas beaucoup. Nous, les Kotokoli, on parle beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué? Bref, en tout cas, merci infiniment. Je voulais préciser que Kous est partenaire. Est-ce que ça, là, tu vas préciser? De... Sinon, là, c'est que nous-mêmes, là, ils vont dire qu'on ne réfléchit pas beaucoup. Nous-mêmes, on sait que Kous ne peut pas partenaire. C'est pourquoi je dis Tchao Dia. Tu comprends. Hein? Plateforme financière, toi-même, tu vois, tu comprends. Merci infiniment. Merci. Monsieur Mobio, monsieur Miam. 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 Voilà. Voilà. Monsieur Frédéric, merci. Merci beaucoup. Dorinel, merci beaucoup. Et très, très bonne journée. On se retrouve demain. Bon, nous, on ne pourra pas être là. Parce que je vais vendre les invitations là tout à l'heure pour nos fans de Tchao Dia. On va suivre en direct. C'est encore mieux. C'est bon? Merci beaucoup. Voilà. Alors, je rappelle rapidement le numéro de téléphone pour la plateforme du Crous. C'est le 70 15 33 33. Et un numéro pour peut-être avoir une invitation pour 70 12 70 14 22 22. On a plusieurs numéros comme ça. Monsieur Mobio, vous voyez, hein, faut les renvoyer, ils vont aller faire les études à la Sorbonne. 70, 14, 22, 22. Allez, merci beaucoup. Et juste après le jingle, nous allons poursuivre cette émission. Merci. Avant le plaisir, je ne vais pas beaucoup parler. Qui ne connaît pas la personnalité musicale que nous avons sur ce plateau? Rapidement, je vais vous faire sa discographie complète. 2019, elle a fait Edja Reyo, Edja Reyo, Edja, je sais que c'est les gens. Les gens, oui. Ah, les gens. Bonjour. Alors, 2018, on a eu la louange en cabine. 2017, on a eu Quelli Quelli. 2015, on a eu Doublé Double. 2013, on a eu Face à Face. 2010, on a Ballet. 2005, on a eu Maunio. Elle a eu des trophées pas possibles. 2007, meilleure musique d'inspiration traditionnelle, prix de l'indépendance. 2009, meilleur prix d'assistance aux sinistrés. 2009, là, est-ce qu'elle n'était pas sinistrée? Non, je ne sais pas. 2014, meilleur artiste traditionnel au festival Calbas aux USA. 2015, meilleure artiste féminine pour les couples. 2016, ambassadrice pour la paix, certifiée par le système des Nations Unies. 2017, officier de l'ordre du mérite décoré par son Excellence Monsieur le Président de la République, en l'occurrence Monsieur Fornia Simbe. 2019, lauréate Kiena America Awards. 2019, meilleure chanson cabine d'inspiration féminine, on parle de Solim. 2019, lauréate All Music Award, meilleure chanson traditionnelle, Edja Reyo.
2020, premier prix du concours Pitch Togo, catégorie cinéma productrice série. 2020, lauréate Kiena America Award 2019, meilleure chanson folklore Kabyé, toujours Edja Rayon. Et 2021, trophée notoriété et prestige, meilleure artiste femme valorisant la femme et la tradition africaine Porto Novo. Applaudissez pour moi. Pour moi. Oh. Je m'appelais oui, Cécile. Cécile. Et elle prie mes bas. Vous êtes sérieux, hein? Je m'appelais Cécile. Non, je ne comprends toujours pas. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Ton problème, c'est lequel, Nagui? Merci, Cécile. Elle veut s'en bon, ou elle veut comprendre? Tu vas appeler à la tu vas aller à la sorte. Merci, Cécile. Bon, merci, non, pas de... Merci. Voilà. Le plaisir grand est pour nous aujourd'hui d'avoir avec nous la magnifique, la splendide, la star, Cécile Meba. Merci, tout est grâce. Tout est grâce. Hey. Donc, quand moi j'ai fait mon malin comme ça, là, maintenant, là, et puis j'ai dit, n'applaudissez pas pour moi. Elle a dit, tout est grâce, ça prouve que je ne suis pas humble. Non, pas ça, Aïcha. Non. Vous le méritez vraiment. Vous vous nommez Cécile, moi, c'est Meba. Voilà. Les deux. Moi, je vous applaudis à votre Donc, Cécile Meba, c'est un duo, je sais. C'est un duo. Désormais, c'est un duo. Nous avons gagné quelques... Mais les gains, on n'a pas partagé. Hein. Les trophées, je veux dire. Je dois en avoir quelques-uns à mettre sur ma cheminée. Il n'y a pas de souci, il y a ça ici. Vous, là, on vient de partager. Non? Vous allez prendre votre part. Moi, j'amène pour moi la maison. C'est ça qui est bon. Non. Pour tous ceux qui nous suivent, vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir Cécile Meba avec la complicité de Melka. Nous vous avons préparé ce petit melting pot de ses meilleures chansons. On se retrouve juste après. Pour les fidèles de Nectar, vous le savez, il y a de cela quelques mois, nous avons déjà eu le plaisir d'avoir Cécile Meba sur ce plateau. On en avait beaucoup parlé, mais j'ai envie de demander encore quand même. Bon, c'est sûr que c'est tout est grâce à la grâce de Dieu, mais comment? Chez nous, là, quand une maman fait beaucoup d'enfants, on dit que des vies, c'est dire qu'il y en a beaucoup, quoi. Talent, là, c'est comment? C'est on presse et puis ça fait tchou, comme ça. Parce que pour la Cécile que je suis, j'ai le talent aussi. Hein. Donc, si je dis ça, c'est comme si moi, je ne chantais pas. Mais on va se dire la vérité sur le plateau, c'est mieux. Comment? Comment arriver avec tout ce talent-là? Comment ça sort? Ça sort seulement. Ça vient seulement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi que nous, on n'a pas? On veut savoir le secret. C'est la seule chose qu'on veut savoir aujourd'hui.
Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde. Bonjour. Juste pour dire que je transmets ce que je reçois. Mm-hmm. Si j'ai commencé par toutes tes grâces, vraiment, je fais tout par pure grâce. La grâce qui vient de mon Créateur, il m'a juste retiré de la boue et il m'a lavé, me transmettre quelque chose que je donne à mon public. Je ne fais rien qui vient de moi-même. C'est comme, je ne sais comment l'expliquer, c'est comme une femme enceinte qui a envie de manger du caleçon et qui cherche, qui crie tout en poussant son époux d'aller lui trouver avant de trouver son sommeil. La chanson, c'est, ou bien le don dont vous parlez, c'est quelque chose comme ça qui vient, qui est comme une folie. Tu as les moyens pour réaliser ou pas, tu dois répondre. Toi-même, tu peux même dire, est-ce que ça là, je peux le faire? Est-ce que j'ai le talent? Est-ce que j'ai le niveau? Mais quand ça vient, tu n'as pas à brancher. Tu dois répondre et dire oui. Donc, c'est quelque chose comme ça. Waouh. Pour moi, ce don-là, c'est la folie. Ce don-là, c'est la folie. Mmh. Exactement. Pas que quand on vous voit, c'est une douce folie. Ou en tout cas, je vais le dire, c'est une belle folie. C'est comme la parole de Dieu dit, ce qui est... sage aux yeux des hommes est folie pour Dieu et ce qui est sage aux yeux de Dieu est folie pour les hommes. Et je crois que ce talent que Dieu vous a donné, cette façon inspirante que vous avez de pouvoir communiquer à chaque fois tout ce qui se passe dans votre, enfin, est-ce qu'on va dire dans votre vie ou tout ce que vous voyez dans la société que vous décrivez, c'est justement comme une folie, mais une belle folie quand même. Hein, parce que ce que j'aime, et je crois que les collègues diront pas le contraire, c'est que chaque sortie de Cécile Meba, chaque chanson touche son but, a un message. Yeah. Ce n'est pas yeah, et puis c'est fini, mais c'est vraiment un message qui est donné à chaque fois sur un fait de société, sur un vice, sur une manière d'être. Et à chaque fois, ça touche son but et nous, il y a quelque chose quoi. Tu ne peux pas écouter Cécile Meba sans ne pas réfléchir, sans ne pas avoir une leçon à en tirer. Et là, là franchement, on veut tirer chapeau pour ça. C'est une belle grâce, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une belle grâce pour nous deux. Ouais, pour nous deux. Qui est Fouma? Aïe. Chacun n'a qu'à... Dans la vie, chacun se cherche. Est-ce que je peux être le E de Cécile là, à la fin là? Tu veux être le E. Tu vas appeler à la Sorbonne. Les gens de Cousse oui, sont partis. Oui, j'y vais, c'est fini. Là. Alors Cécile Meba, c'est la beauté. Et je sais qu'elle m'aimait, c'est la beauté même quoi. La belle femme togolaise. La belle, belle, belle femme togolaise. C'est aussi la gentillesse du cœur. Ouais. Elle a, quand tu la vois, il y a quelque chose qu'elle dégage. On ne peut pas comprendre, mais c'est toujours quelque chose de très beau. C'est une femme très occupée, par contre, qui ne reste jamais sur place. Aujourd'hui, là, on veut savoir pourquoi. Et pourquoi, comment on dit pourquoi encore? Eh bien, comment est-ce qu'on arrive à combiner la vie de... Une carrière avec tous ces voyages, tous ces déplacements et la vie en réaliser tant que des films, réaliser des films, produire des films et être une écouter les femmes, maman, tout ça, avoir une vie quoi, tout simplement. Je ne sais que dire. Cécile Meba, devant tout ce que vous venez de citer, surtout c'est pour la forme. Moi-même je suis là pour la forme. C'est quelqu'un qui travaille. Permettez-moi de dire que c'est le Saint-Esprit qui travaille à ma place. Je venais de le dire que toute ma vie, je ne vis que par pure grâce. Cette grâce-là me fortifie. En fait, comment j'arrive à accumuler tout cela? Je donne tout à celui qui m'a confié ce don, celui qui m'a appelé pour ce travail, de le faire à ma place. Et moi, je ne suis qu'un instrument et je ne suis pas. Il suffit juste de prier, demander à Dieu de gérer son temps et il le fait.
Il suffit juste de dire à Dieu de t'effacer, prendre la place, et il le fait. Les voyages, des fois, tu programmes, il y a le studio où il y a... Et en fait, mon travail, ce que je le travail que j'ai fait pour mes fans ou bien pour mes frères ou pour quelqu'un qui a besoin de mes aides, c'est plus énorme que ce que moi-même j'ai fait. Mm-hmm. Et il peut en témoigner. Mm-hmm. Des fois, on t'appelle à 16 heures, on te dit dans deux jours, wow, tu me fais un single pour tel événement, alors que tu as le programme de voyage. Il faut aussi satisfaire. Le client est roi. Donc, des fois, je lui réveille. 24 heures, on veille même au studio. Pour chercher quoi? Il suffit juste de me donner l'histoire ou ce que tu veux pour ton événement. Et ensemble, par son aide, on réalise. Après deux jours, je te donne ton travail. Wow. Et avant de penser même que ah, j'avais tel programme de voyage... Des fois, si je suis en déplacement, on m'appelle, je dis, je suis désolé, mais s'il faut que je te fasse quelque chose juste pour que tu joues, avant que je n'arrive, des fois, il y en a qui acceptent, il y en a qui disent non, on t'attend. Mais si c'est pressé, ils le font autrement. Et je me rappelle que j'étais en Allemagne quand on avait Téléfood. On avait besoin du spot pour, en cabier pour Téléfood. Donc, j'ai dit que je ne peux pas parce qu'il faisait tellement froid que je ne peux pas, je ne pouvais pas faire sortir ma tête, aller faire le sport sur la route, envoyer. Et non plus, je ne peux pas le faire en chambre parce que j'étais seule. Comment je vais faire pour réaliser ce sport? Bon, quand j'appelle l'excellence, elle dit, madame, on t'attend d'ici demain. Wow. J'ai été obligée de sortir comme ça. On imagine. Et le faire envoyer. Pourquoi? Parce que j'ai voulu satisfaire. Oui. Parce que avant qu'on t'appelle, il c'est faut. C'est parce qu'on t'a considéré. C'est aussi. Ça. C'est qu'il faut quelqu'un à côté pour aimer ce que tu fais avant qu'il te demande un service. Mais si tu dis non, c'est comme tu as repoussé cette dernière, celui qui vient vers toi et de ne plus revenir. Donc, c'est ça. Maintenant, côté musique et côté entrepreneuriat, ça, c'est la femme africaine. Mm-hmm. Nous, les femmes africaines, on nous a éduquées ainsi. Une femme doit se battre. Même si vous êtes avec votre époux, le jour où il sort, il dit, aujourd'hui, je n'ai rien, il faut lui montrer que vous pouvez... Exactement. Donc, c'est quelque chose comme ça qui m'a poussé à avoir mon cabinet d'écoute et m'approcher plus des femmes. Parce que ces femmes-là, elles m'ont surnommé Arafat des femmes. À cause du morceau Solem. Oui. Donc, j'enseigne sur le terrain après les prestations. Pourquoi? Parce que je veux dire à quelqu'un de ne pas mettre la main. Comme quand, ça. Quand elle sort, c'est de bouger. Tout ce qu'une femme trouve, elle n'a qu'à le faire. Il n'y a pas de sous-métier. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose comme ça. J'aime le travail, je hais la paresse. Et c'est tout. J'aime le travail, je hais la paresse. Il faut une sagesse à retenir pour ce vendredi, chers amis téléspectatrices. Il faut aimer le travail et haïr la paresse. Cécile Miba, dernier trophée, meilleure artiste femme africaine, valorisant la femme et la tradition africaine. Trophée notoriété. Hey, ça là, il ne faut pas, on va se mentir. Ce n'est pas moi j'ai reçu ce trophée là, c'est vraiment Cécile Miba qui l'a reçu. Encore un trophée de plus. Et nous, à chaque fois, on trouve ça extraordinaire de voir à quel point les gens reconnaissent tout le travail qui est derrière et la grâce aussi qui pousse à ce travail-là. Et on ne peut pas avoir... bonjour, on ne s'est même pas dit bonjour, vraiment. Tu sais, tu te souviens quand j'étais en Allemagne, je suis sortie dans la rue, là, on a enregistré. Je brûlotais à cause du froid, là. J'étais là. Oh. Et des fois, quand on portait la loi. Tu l'as pas, tu... Et tu te souviens, non? Très bien. Prends la guitare là-bas, on va faire un petit quelque chose. Pourquoi pas?
dis bonjour d'abord, ton Cérès. Okay. Mm-hmm. Alors, on ne peut pas avoir Cécile Mbemba sans ne pas avoir une prestation en live. Quelqu'un dit, ah oh, Cécile Mbemba, il n'a qu'à nous chanter « Ameke Domi Blena ». Mais moi, je préfère, il y a beaucoup de messages, hein, et nous, on préfère en tout cas qu'elle nous fasse elle-même son choix pour une belle prestation. Sandam Maso, Pusoye, Sandam Jayo, Pujayoye, Sandam Maso, Pusoye. Nane Osono, Jele Sefei, Nane Murata, Jele Noi. Edokone enyode u chele se fei nane cheche wida chele se fei eo chai so nyaro yele rebe bucho kubalo nyaro le yele rebe bucho namana nyo naro yele rebe bucho Chalo, yelere bebo cho, tase na chalo rebo, yelere bebo cho, eo. Hey, eo. Mayo dance away, hey money. Mayo dance away. Lele manyu dewa yeko Uyung fili fili Lele manyu dewa Usunung jami feri Lele manyu dewa yeko Viye binyosam Lele manyu seba Ba Viye binyari Lele manyu seba Uwaye mungjam Lele manyu seba Ba Bebenei Écoutez, le message, c'est une femme que j'admire, c'est une femme que j'adore, adorée. C'est laquelle, c'est Cécile, bien c'est Mbemba que vous adorez. C'est important, il faut bien peut-être dire. Peut-être la E. Peut-être la E. C'est la guitare, là, non. Il est puni, hein, Gary, guitare, là, okay. Comment ça? Pourquoi mettre du Gary dans notre sucre? Je rigole. Alors, on a bonjour, vous êtes trop superbe. Dites à notre maman si elle peut laisser son numéro WhatsApp. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle va laisser un numéro. Ne vous en faites pas. Bonjour. Bonjour à Cécile Mbemba, c'est K.O. Julien depuis Noukafou. Merci infiniment. Alors, la seule chose que je peux dire, c'est que madame, vous êtes extraordinaire et c'est depuis le Tchad. Merci infiniment. Merci beaucoup, Cécile Mbemba, qui représente la fierté togolaise un peu partout dans le monde. Exactement. Et nous, avant de laisser partir Cécile Mbemba aujourd'hui, on a juste envie de lui dire, elle est la paresse et elle aime le travail. En regardant cette caméra-là, il y a tellement de jeunes femmes qui nous suivent et tellement de personnes qui sont soit artistes, soit juste des jeunes femmes et qui admirent Cécile Mbemba. Si elle devait donner un message à toute la jeunesse, surtout féminine, qu'est-ce qu'elle leur dirait?
Merci. Toi, ma soeur, toi, ma fille, ou ma petite soeur, bouge. Yeah. La vie, elle est facile à vivre si on l'aime. D'abord, aime-toi, aime ton travail et la vie continue. Bats-toi. Toi, la femme africaine, bats-toi. Femme africaine, soumets-toi. Wow. Femme africaine, je comprends, il y a l'émancipation de la femme. Mais on ne nous enseigne pas de se révolter contre nos époux. La soumission guérit. Il faut être humble, car Dieu élève ceux qui se battent et ceux qui ne se considèrent pas. Wow. Merci. À vous les femmes. Je vous aime. Waouh. Non mais, oh mais, oh. Si je ne m'appelais pas Cécile Meba, ça allait me faire mal. Non, moi, je suis Cécile. Ah, c'est moi, Cécile. Meba. Bon, je suis Romy. Oh, trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union. Alors, en tout cas, où retrouver Cécile Meba, vous le savez, c'est sur toutes les plateformes. Elle est sur Instagram, elle est sur Facebook, elle est sur YouTube. Et plusieurs personnes demandent le numéro de téléphone. Est-ce qu'on peut avoir un numéro? Peut-être pas un numéro sur lequel pouvoir écrire à Cécile. 93 34 07 17 Merci infiniment. Mais pas pour m'appeler à minuit une heure, s'il vous plaît. Il faut pas appeler à minuit une heure, s'il vous plaît. Il faut appeler à minuit moins 5. Voilà, 93 34 07 17. Merci infiniment. Tu as rendu la guitare? Non, elle est toujours d'accord, ici. D'accord, tu garantis ça, on ne sait jamais. Ouais. Quand nous serons à Munich, qu'on va encore nous appeler dans le froid, on va trembler en jouant la guitare. De gros bisous. Comment on dit bisous en cabiais? Bisous. Aïcha, Makpalasang. Makpalasang. Voilà. Ça, c'est long là. Makpalasang. Cécile Makpalasang. Alors, merci infiniment. C'était donc notre chère Cécile Meba avec nous aujourd'hui. Et le message est bien retenu. Juste après le jingle, nous allons retrouver d'autres personnes sur le plateau. Et comme je le disais donc aujourd'hui, alors ça va être un peu, on va, voilà, légèrement, merci beaucoup. Et aujourd'hui, on est avec, il est arrivé en retard, donc on n'a pas pu faire la rubrique, on devait faire la rubrique avec lui, mais on va en parler quand même pour quelques minutes parce que c'était ce que nous devions avoir comme pensée du jour ce matin. Bonjour les DDR. Bonjour Aïcha. Comment on dit bisous en cabiais? Mangbalasang. 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 Mais ça c'est trop violent, ça a l'air de dire je vais te gifler. Il y a rien de alors, bonjour Ulrich. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Ça va. Beleka for Richou. Si, Beleka for Richou. Alors, on peut couper la musique s'il vous plaît? Sinon, on marque pas l'ensemble. Sinon, on marque pas l'ensemble. C'est vrai que toi, tu l'entends comme ça. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Eh bien, aujourd'hui, on voulait partager quelque chose d'important avec vous et je voulais que le DDR soit là parce qu'on les voit souvent et on n'a qu'une seule envie quand ils sont là, c'est de rigoler. Ça, c'est clair. Oui, bon, ben, parce que c'est ce que vous vendez aussi. Il faut le dire, c'est un métier qu'ils ont. Ouais. Mais je voulais les avoir aujourd'hui en tant qu'être humain parce que ce que... Oui.
C'est écœurant de savoir après tout, hein. Ouais. Tu vas avec une personne. Non. J'aime pas ça. Je veux dire, en tant qu'être humain, parce que normalement, un être humain a des choses qui lui arrivent. On vit tous des moments, des fois difficiles, des fois faciles. Et c'est, quand on vous voit, on a l'impression qu'avec vous, c'est toujours la joie. Voilà, rien ne vous arrive. Et aujourd'hui, vous le connaissez, vous l'aimez beaucoup. Il est avec nous sur le plateau. On parle du riche adhéré. Mais ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce ne sera pas de digital. C'est le vaudou du net, on le sait. Il est donc. Voilà. Aujourd'hui, c'est le vaudou du Bénin. Aujourd'hui, c'est le vaudou du Bénin. Bienvenue, chers collègues. Ulrich. Oui. Je sais que tu n'es pas très, voilà, tu n'aimes pas trop montrer certaines choses et je t'ai forcé, je vais l'avouer. Mais ce que je voudrais qu'on dise, c'est que quand toi, bon, on se connaît depuis un moment quand même, hein, et chaque être humain dans sa vie a quelque chose qui a été un point, qui a été the turning point. Quelque chose qui est arrivé et qui change notre vision de la vie totalement. Nous sommes dans la pensée du jour, ne vous en faites absolument pas. Et Ulrich a vécu quelque chose, il y a de cela combien d'années ? 6 ans. 6 ans, qui a totalement transformé, et la, je crois, moi, que ça l'a fait devenir un peu ce qu'il est aujourd'hui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on peut en parler, s'il te plaît ? Oui, je suis Intimbaro, comme je dirais, tu fais Intimbaro. Intimbaro, alors... Ça s'est passé une nuit, oui, exactement, oui. Où tu étais allé faire, tu étais, un 16 février, ouais. Tu étais allé faire la fiesta. Bon, la fiesta, pas vraiment, bon, ok. Le matin, oui. Tu es rentré, ouais. Et tu t'es couché. Oui. Et quelques heures plus tard, oui. Tu as entendu les cris de ta mère qui t'a réveillé, si. En te disant qu'on venait de tirer sur ton père. Tout à fait. Oui. Oui, comme tu l'as dit, c'est un peu ça. 2 heures du matin, je pense, c'est les cris qui m'ont réveillé. Où j'entendais, en fait, c'était comme un rêve, mais en vrai, tu entendais le truc quand t'appelais Richo, 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 Dachuto, Dachuto. Bon. Donc, tu n'as pas entendu le coup de feu? On va dire oui et non. Okay. Parce que je pense quand même qu'avoir entendu un bruit, c'est comme on lance des pétards, tu vois. Mais après, comme je dormais, bon, pour toi, c'est un rêve. En fait, c'est après qu'on m'a réveillé que j'ai fait les rapprochements, tout ça, là, en fait. Okay. Donc, je me suis levé en sursaut. Donc, premier réflexe, c'est que moi, je vais ouvrir le garage parce que d'habitude, quand mon père sort, en fait, il ferme la clé, le portail. Donc, le seul moyen d'ouvrir, soit tu ouvres le portail, soit tu ouvres le garage. Le garage, c'était plus rapide, en fait. Donc, moi, j'ai ouvert le garage et à droite, voilà, parce que j'ouvre le garage à droite, il y avait mon père qui était allongé par terre, en fait, au niveau du portail. Donc, bon, par réflexe, toujours, je m'avance vers lui, en fait, et après, je pense, 2 pas, je me trouve derrière avec un pistolet. Donc, second réflexe, je referme marche arrière. Voilà, puis je referme, en fait. Je referme, et puis j'attends. Il y a maman qui était derrière, donc on attend qu'il se passe un truc pour qu'on puisse ressortir, en fait. Donc, je pense, 30 secondes, 15 secondes après, on a entendu des motos s'éloigner, 2 motos s'éloigner. C'est là qu'on est sorti. Et quand. Qu'on est allé voir le papa, en fait, truc là. Donc, comme je disais, que le poste que tu as vu, tout ça là, c'était... Ma mère, en fait, elle est en train de prier. Elle a l'habitude de prier, en tout cas, elle est un peu comme toi. Elle est en train de prier le samedi, là. Bon. Elle était en train de prier, en fait, vers 2 heures du matin, quand elle racontait, en fait, qu'elle a entendu notre père arriver, comme d'habitude. Donc, à un moment donné, elle voyait qu'elle ne voit pas il ne voit pas plutôt le portail ni le garage. Donc là, elle a entendu qu'il parlait avec des gens, mais bon, qui, elle ne savait pas. Donc c'est le coup de feu, en fait, qui l'a fait comprendre que c'était plus un braquage qu'autre chose. Après, derrière, ils ont rien pris, en vrai, puisque la voiture était là. Ils n'ont pas pris la voiture, il y avait la clé dedans, elle était toujours en marche pendant tout le scénario. Ils ont pris, je pense, le téléphone et puis une somme, je pense, maximale de 200 000, je crois. C'est tout ce qu'ils avaient pris. Donc aujourd'hui, il y a eu des enquêtes et tout, mais il n'y a pas eu de retour. On se dit que peut-être qu'ils étaient juste venus pour faire du mal à notre père. C'était plutôt le type, si tu vois tout ce qu'il y avait comme... Ils auraient pu emporter, mais qu'ils n'ont pas pris. C'était un peu ça. Et comme je disais, c'est... C'est ça que je veux savoir, en fait. Qu'est-ce qu'on ressent parce que tu dors quelques secondes après, où tu te retrouves en face d'un pistolet ou d'un fusil.
qu'est-ce qu'on ressent quand, est-ce que je vais dire quand la tension retombe, quand le, tu te dis que peut-être ma vie n'est plus en danger, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que ça donne dans la tête? Est-ce que tu as déprimé un peu comme, est-ce que j'ai déprimé je pense pas. Je pense pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais est-ce qu'il y a eu un moment de dépression? Non. J'ai juste essayé de faire avec, on va dire ça comme ça. Parce que, comme je te disais hier, cette nuit-là, en fait, a changé beaucoup de choses en moi. Mm. Avant cette nuit, j'étais un jeune. Insouciant. Je ne veux pas dire insouciant, mais bon, je vivais ma vie, quoi, tu vois. Mais après cette nuit, il y a eu un déclic, en fait. Je comprends que, en fait, la vie ne tient qu'à un fil. On peut partir à n'importe quel moment. En tout cas, ça a changé beaucoup de choses en moi. Ça m'a permis de passer un cap, de devenir encore plus fort. Parce que oui, aujourd'hui, je le dis, je suis plus fort. Je suis plus fort mentalement, psychologiquement. Bon, pas physiquement, je suis toujours gringalé, mais bon. Voilà quoi, ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Parce que je pense que sans cette nuit, je ne serais pas là. Parce qu'après cette nuit, il y a eu pas mal d'événements qui sont passés, qui m'ont encore plus forgé. Événements qui sont passés à cause justement de cette nuit-là. Donc, qui m'ont beaucoup forgé, qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. Alors, quand ils sont partis, vous êtes allé chercher ton papa pour l'emmener à l'hôpital. Tu sais, je pense que je n'ai pas dormi. Je pense que c'était la première fois de ma vie où je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Parce que je suis allé avec lui à l'hôpital. C'était quoi, 2 heures du matin. Je pense que c'était la première fois aussi que je découvre le CHU et tout ce qui va avec, tout ce qu'on raconte, quoi. Mm-hmm. J'ai fait les allers-retours, j'ai couru de gauche à droite. Je pense qu'à un moment donné, c'était à 7 ou à 8 heures, on a dû le rapatrier ailleurs. Bon, il y a eu pas mal de choses. En tout cas, c'est la première fois de ma vie où je n'ai pas dormi pendant 24 heures. Exactement. Je n'ai pas dormi. Alors, nous, souvent dans les pensées du jour, et je crois que dans la pensée même de cette semaine, Naïda nous a beaucoup parlé de choses qui nous permettraient de pouvoir nous fortifier et de pouvoir nous investir d'une manière ou d'une autre. Et je tenais à ce que mes amis, mes bébés du débat du rire soient là. Parce que, comme je le disais, ils ne sont pas juste là sur le plateau, juste parce que c'est vrai, ils vous font rire, on rigole tous ensemble. Mais ils sont là aussi parce que ce sont des frères, ce sont des amis, ce sont mes bébés, comme je dis. Et hors caméra, on discute aussi. Et ce sont... Je vais le répéter, ne réagissez pas. Ce sont des êtres humains faits de chair et de sang qui ont des sentiments et qui vivent également des choses. Et comme le dit Ulrich, à partir de cet événement-là, il y a quelque chose qui a changé par rapport à sa conception de la vie et qui le bâtit. Aujourd'hui, on est tous en admiration devant toutes les choses qu'il fait. On espère que ça va s'agrandir. Hein. Bereka for Rishu. C'est le but. Hein. L'arrivée sera belle. C'est ça, trop belle. Bereka for Rishu. Tout ça. Tu dois faire travail au moins sur moi. Je vais te décider. C'est pour dire qu'on a tous, en tant qu'être être humain, à partir d'un moment... Soit pour des personnes, c'est un peu plus tôt, c'est un peu plus tard, mais tous, à un moment donné, on a quelque chose qui est le déclic, qui te change. C'est quelque chose qui te marque et c'est une cicatrice que tu as qui soit ne guérit pas totalement, mais qui te booste, en fait, qui te pousse à pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, malheureusement, ça fait partie de toi, mais quelque part, c'est quelque chose que tu gardes et qui te fait comprendre que la vie, elle est autre que celle que tu croyais avant que cet événement n'arrive là. Oui. Et j'aimerais avoir vos apports dessus, même si vous allez le dire dans la comédie, mais j'aimerais avoir vos apports là-dessus. C'est très difficile de le dire même dans la comédie parce que l'humour noir ne passe pas partout. Donc, on ne sait même pas si on a le droit de faire des blagues sur ça. Quoi. Alors, il y a ce message qui dit « Bonjour Neta, merci infiniment, Boss Ulrich, pour ce message que tu nous donnes ce matin. On comprend ta force et je comprends aussi que je dois me battre. Merci à vous. » Oui. Sinon, c'est vraiment très touchant. Mm-hmm. Et c'est aujourd'hui que je découvre que tu es enfant de riche. Bon, dis que je suis enfant de riche, peut-être. Ça dépend de la grandeur de la richesse. Hein. On m'a dit quelque part. Allons-y. Mais en même temps, moi, c'est une histoire qui me replonge dans une nostalgie aussi, ce qui a trait aussi à mon papa. Parce que moi, quand j'ai commencé l'humour, je peux dire que c'est la seule personne, il ne me l'a pas dit ouvertement, mais c'est la seule personne qui croyait en moi, en quelque sorte, qui savait que bon, je pouvais faire quelque chose par ce canal-là. Et bon,
c'est souvent choquant de revenir à la maison comme ça, un jour, une soirée où tu discutes bien avec lui et demain matin, vous vous réveillez, lui ne se réveille pas. Mm. Ouais, donc j'ai vécu un peu la même chose, je dirais, et ce matin-là, dès l'aube, quand la vieille s'était réveillée et dit, bon, votre vieux ne se réveille pas, là, je me suis réveillé aussi en sursaut. L'avenir, on cogne, il ne se réveille pas. Et j'ai été le premier à défoncer la porte. Quand j'ai défoncé la porte, le gars, il était par terre. Bon, je me rappelle, la première phrase que j'ai eu à dire, c'est que, bon, mes soeurs étaient avec moi, c'est la première phrase que j'ai eu à dire, c'est Naomi, quoi. Bon, je ne sais pas comment je veux le dire, mais c'est ce qui m'était venu en tête. Sentine rasera pour yes. Et moi, je crois que c'est à partir de là que je me suis dit que, bon, si je dois honorer sa mémoire, c'est par le biais de ce à quoi il a toujours cru en moi. Mmh. Et c'est pour cela que même mon deuxième one-man show que j'ai fait, c'était entièrement à son honneur, où je parlais de lui. C'est bien vrai qu'il y avait des exagérations et tout, mais je me suis dit que c'est la seule manière de le faire rire lui aussi de l'autre côté, là où il est. Et de me dire qu'il n'est pas parti, mais c'est une force qui reste toujours avec nous. Donc, je partage un peu la même émotion que Ulrich. Ce sont des choses qui nous arrivent, qui ne sont pas faciles à supporter. Mais au-delà de tout, on dit souvent... Ça change la donne. Hein. Exactement, un bien pour un mal ou bien un mal pour un bien, en fait. Donc, aujourd'hui, ce sont des choses qui nous grandissent et qui nous permettent d'avancer. Donc... merci à Dieu de nous faire passer par merci beaucoup, Cécile. Je te donne un bonbon. Tu vois, il est intelligent. Si tu me donnes un bonbon, j'ajoute le méba. Tu vois le bonbon. Ouais. Vous savez, il y a des choses qui nous marquent vraiment à vie, comme tu l'as dit. C'est pas seulement les femmes enceintes qui demandent calabar. ça nous marque, nous les hommes, mais... Non, c'est pas juste, c'est une situation que je vis actuellement. Tu me donnes calabar. Donc, voilà, je vais aussi aller un peu dans ce sens parce que aujourd'hui, c'est comme si on est là pour se livrer un peu, pour parler. Je tremble, en fait, un peu parce que émotionnellement, je suis très touché par ce qu'il a dit. Et peut-être que c'est aussi, pour nous trois, c'est au niveau de nos papas. Ah ouais, moi, si je vais parler de mon père, je vais pas pouvoir tout dire, mais juste un petit quelque chose qui m'a vraiment touché dans sa mort. Moi, j'avais peut-être 9 ans, 10 ans. C'était un samedi matin. On s'est réveillé, tout allait bien, il est sorti et il n'est pas revenu, en fait. Et... en fait, dans le quartier, mon père... Bon, vous devez avait... pas avoir une voiture. Bon, pas voiture. Bon, mon père, avait, bon, il avait une voiture et une moto. Il utilisait les deux. Et il avait un collègue dans le quartier qui, lui, n'avait ni voiture ni moto. Mais c'est mon père qui le remorquait toujours. Pour aller au service, pour revenir, ils allaient toujours ensemble. Et que ce soit en moto ou en voiture. Et le samedi, là, ils sont partis ensemble. Mais à un moment, on remarquait des foules qui allaient vers le monsieur en question, vers sa maison, vers le monsieur en question. Et on demande qu'est-ce qui se passe. Les gens nous disent que monsieur Tel a eu un accident. Ma mère dit non, mais et son mari, parce que ils sont toujours ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne nous a rien dit. On voyait aussi des collègues de service de mon père qui venaient dans la maison, qui repartaient. Ils savaient, quand ils venaient, ils se rendaient compte qu'en fait, on n'avait pas encore l'info, ils repartaient. Madame, ça va, et les enfants, ils vont bien. Et monsieur, il est parti au service, il n'est pas encore revenu. Ah, ok, et ils partent. Mais c'est après qu'on a su qu'en fait, tout le monde dans le quartier était au courant, sauf nous. Donc, elle est allée, elle s'est dit qu'elle va aller voir le monsieur en question pour demander ce qui s'est réellement passé, où est son mari. Et le jour-là, le cri que j'ai entendu, c'est un cri qui est resté profondément en moi. Parce que ma mère n'a jamais crié comme ça. Et c'est resté en moi. Donc, quand elle est allée aussi, elle demandait aux gens, oui, il a eu un accident, mais et mon mari? Personne ne lui répondait, en fait. Mais elle en a déduit que son mari était mort. Et c'était vrai. Maintenant, comment est-ce qu'il est mort? En fait, le matin, là, il avait pris sa voiture. On était à Tapamé, en fait. Il était allé... à Agnès.
il a déposé quelqu'un là-bas. Maintenant, quand il revenait, il y a à peine 2 km, il y a un cycliste qui a traversé la voie. Et pour l'éviter, pour feinter le cycliste, il était obligé de rentrer dans la brousse et la voiture a fait 3 tonneaux. Et malheureusement, il n'avait pas porté la ceinture de sécurité. Mmh. À ce qu'il paraît, la portière se serait ouverte, sa tête serait sortie et se serait refermée. La portière se serait refermée sur sa tête, en fait. Mais ce qui m'a le plus fait mal dans l'histoire, c'est qu'il a fait 2 heures de temps au sol sans que personne ne l'amène à l'hôpital. Et ça, c'est grave, mais il y a encore plus grave. La société dans laquelle il travaillait, le DG de la société, passait par là le jour-là, il allait à Kara. Donc, comme il y avait de la foule et tout sur la route, il a demandé à savoir ce qui se passait. Le chauffeur est sorti se renseigner. Il est revenu lui dire qu'il y a eu un accident et il paraît que c'est un agent de temps. C'est une société que je ne veux pas nommer, c'est une grande société du pays quand même. Il dit, il paraît que c'est un agent de la société. Il dit qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Il a sorti un bon d'essence qu'il a donné aux gens qui étaient au bord de la route là-bas. Il a dit, amenez-le à l'hôpital. Mais personne ne l'a amené. Ils ont déposé le bon d'essence sur lui. Donc mon père est mort, le bon d'essence sur lui. Personne ne l'a amené à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué pendant longtemps. Moi-même, je ne savais pas que ça m'avait marqué autant. Jusqu'à l'année passée, où j'ai souffert d'une dépression grave, où j'avais des palpitations cardiaques, j'avais l'impression que j'étouffais la respiration et tout. De décembre 2019 à novembre 2020, j'étais carrément déprimé. J'étais à l'hôpital au moins 4 fois par semaine. Et avec tout ça, en discutant avec un psychologue, parce que les cardiologues, tous les services par lesquels je suis passé n'ont rien trouvé, ils m'ont envoyé chez un psychologue. Et c'est le psychologue, en discutant avec lui, qui a remonté les faits. Un jour, il m'a demandé de raconter les circonstances dans lesquelles mon père est mort. Et quand j'ai raconté, il a dit, ça fait 25 ans qu'il est mort, mais tu n'as pas oublié. Et c'est ça qui revient, en fait. Tu n'as pas fait ton deuil. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est sûr que vous envoyez beaucoup de messages par rapport au témoignage de ce matin. Et ce que je vois de vos messages, c'était justement le but que nous voulions atteindre. Ne vous en faites pas, nous reviendrons sur la rubrique. C'était juste pour dire qu'on traverse des choses totalement difficiles. Ce n'est pas parce que vous voyez les gens comme ça, qu'ils n'ont pas un background qui soit lourd. Ouais. Mais au lieu de virer, par exemple, si vous prenez Bibisco, de virer, de devenir un délinquant, aujourd'hui, il est l'homme qu'il est. Il travaille. Il est pas loin de là aussi. Attention. Je peux te le prouver. Je peux te le prouver. Bon. Je peux te dire juste un petit truc. Effectivement, je suis en train aussi d'écrire un spectacle où je raconte un peu la vie et la mort de mon père. Je dis des choses qui sont vraies, d'autres qui ne sont pas vraies aussi. Mais tout ça pour faire rire. Et le titre du spectacle, c'est « Mon père a un fusil ». Exactement. Donc, alors, on ne sait jamais. Donc, son père peut tirer sur toi. On peut tirer sur toi. Et tout comme pour Ulrich, tout comme pour Bibisco, tout comme pour Valentin Vieira, vous les voyez, ils sont les boss que vous connaissez. Ils font tout ce qu'ils font. On les admire, on les applaudit. Mais ils ont vraiment des cicatrices qu'ils portent. Et ces cicatrices-là, au lieu de les détruire plutôt, sont des leitmotifs qui leur font penser qu'il faut bosser dur pour pouvoir y arriver. Ne vous laissez pas abattre. Aujourd'hui, on termine toujours avec du rire, mais aujourd'hui, on voulait vous donner vraiment ce courage-là. Quelles que soient les situations que vous traversez, rebondissez par rapport à ces situations et à ces blessures-là. Croyez en Dieu et vous réussirez. C'est la fin de l'émission pour cette semaine. Et merci infiniment à notre chère Melka et à toute l'équipe technique qui était avec nous. Rapidement, 70 15 33 33 pour la plateforme du CROUS, 70 14 22 22 pour les invitations pour les joutes verbales francophone. Pour le DDR, 90 34 99 67. Bereka Forichou, 90 37 45 60 et 90 34 99 67 pour nos amis du débat du rire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Très 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 bon week-end à vous. Dieu vous bénisse et vous garde. On se retrouve lundi matin. Bye bye. Bye bye. Ouais. Bon, bon. Ah, aujourd'hui, tu as eu l'être humain en nous. Vous pouvez passer. Confie-toi à Dieu. Il te changera de nom.